Béziers 17e reçoit Niort 7e. Des Biterrois qui vont essayer de prendre des points. Ils restent sur 4 défaites de suite et n'ont marqué qu'un seul but à l'occasion de ces 4 rencontres. Il va falloir se débloquer. Pourquoi pas face à Niort qui avait bien débuté la saison. Mais les Niortais restent sur 2 défaites de suite. Béziers réussit un début de match correct mais se fait surprendre par ce tir magnifique de David et Gigla. 29e minute, ce sont les Chamois qui mènent à 1-0, le premier but de la saison pour le joueur béninois. À la demi-heure de jeu, les visiteurs sont bien placés. La formation de Patrice Lair qui continue avec ce coup franc qui paraissait presque cadré. Ça passe juste à côté. En seconde période, Béziers insiste pour revenir et obtient un pénalty après 10 minutes de jeu en seconde période. Ibrahim Sissoko a la responsabilité de marquer ce but. Il s'élance et parvient à battre Saturnin Alagbé pour l'égalisation à un but partout. Premier but en Dominos League 2 pour Ibrahim Sissoko. Un but capital pour Béziers, 17e du classement. La situation peut s'améliorer, mais attention à ce que Niort ne reprenne pas l'avantage. Les Chamois ont une grosse occasion ici, c'est repoussé par Manio Novaes, le gardien brésilien et capitaine de Béziers. Ce contact occasionne un carton rouge pour Ibrahima Conté. Le joueur de Niort est exclu, il avait pris un premier carton jaune à la 42e minute. Voici le deuxième. Le dernier quart d'heure est donc joué en supériorité numérique par Béziers, mais qui ne parvient pas à en profiter pour gagner le match. Un but partout entre Béziers et Niort.